Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les Jeux du Cygne. On se retrouve sur Infection Free Zone. Alors, dans le deuxième épisode de la série, donc le premier épisode, hein, j'avais rappelé un peu les bases du jeu, comment que ça se passe. On est sur Belle Île en Mer, on est sur la côte. J'avais fouillé les contours de la zone de base. Il me restait donc à nettoyer. Il y a plein de bâtiments qu'il faut que je nettoie, que je détruise. Parce que j'en ai pas forcément besoin. Et puis par contre, il y en a que je vais réutiliser, hein, j'imagine. Faire un périmètre un peu de sécurité qui inclut ces bâtiments-là. Et puis donc faire une sorte de base de murailles qui suivent un peu tout ça. Là, normalement, avec ça, j'ai largement de quoi m'installer, de quoi être assez tranquille. J'ai même de la place, je vais lancer sans doute des cultures assez rapidement. Pendant ce temps, j'ai mes deux équipes qui fouillent, qui fouillent tout ce qu'ils peuvent fouiller. Elles, je sais pas pourquoi je les ai envoyées si loin, mais pourquoi pas. Alors j'ai pas encore trouvé de voiture, il faudrait sans doute que j'aille chercher un peu plus loin. J'ai mon centre de recherche pour l'instant qui glandouille en fait. Donc j'avais recherché l'antenne de base et l'usine d'outils. Donc ça il va falloir que je m'en fasse une aussi. Boiserie avancée, qu'est-ce que ça fait? Débloque l'adaptation des bâtiments en maison. Ce qui est le meilleur considérablement la qualité de vie des citoyens, affectant positivement leur morale, très bien. Et débloque les structures défensives avec l'état de structure le plus élevé possible. Les portes et les tours fortifiées ont également plus d'espace pour affecter les gardes. Très bien. Je peux faire la recherche sur l'agriculture. Ça pourrait être une idée, puisque de toute façon, il va falloir que je me fasse des champs. J'ai 6 sacs de céréales qui vont peut-être qui devraient me permettre de démarrer des champs hein, si je veux m'en faire. Hop, champ d'application. Ah ben non, j'ai juste besoin de bois et je ne sais pas. Ah, c'est la maison de la cuisine qui, elle, va utiliser les sans doute les sacs de céréales pour faire des rations. Donc ça pourrait être une idée d'aller rechercher ça. Tac tac tac. La météo. Ouais. C'est pas fou. Et des connaissances médicales. On te dit pas trop ce à quoi ça sert. Faire des meds, forcément. Ou traiter. Se traite plus efficacement. Je vais aller chercher l'agriculture. Hop. Et puis, alors, où en sont mes pécores? Donc normalement, ils sont tous. J'ai personne. Ouais, c'est ça. Ils sont tous en train de démolir. Toc. Ben, ça devrait bientôt être terminé même. Là, je vais en avoir qui vont. Qui vont bientôt se terminer. Allez, on redémarre. Tac. Je vais me faire donc. Champ d'application. Je vais me les faire. Ah oui. Forcément, il va falloir que je peux pas les faire sur la route. Si je fais tirer et glisser, hein, ça permet d'en faire plusieurs d'un coup. Hop, je vais en faire 4. Tac, tac, ouais. Ça me semble pas mal. Là, j'ai remis du monde. Franchement. J'ai quoi? 51 bois? Non. Allez. On va mettre un maximum de monde sur le recyclage de bâtiments. Tac. Est-ce que les autres sont complets? 1 sur 3. Hop. Ah, c'est difficile de sélectionner, bordel. Tac. 3 sur 3. Bon, là c'est bon. Je vais me mettre. Hop, 8 constructeurs. J'ai encore 3 chômeurs, je vais me faire une tour. Je vais me faire une tour en métal même, hein, 15.
Peut-être bien quoi. Je vais faire une tour en métal, ce sera plus solide. Je vais la faire par là. Je vais la faire par là. Ouais. Ça me semble bien. Hop. Et donc là, logiquement, la tour. Ouais, il a besoin de 5 travailleurs. Hop. Allez. Là, ça fouille, ça vide. 16h16. Research complete. Déjà, c'est hyper rapide. Bon, donc j'aurai pas de tour pour cette nuit. La nuit dernière, elle était assez tranquille. Avec une nuit très claire. Alors, j'ai un viewer qui m'a donné un petit conseil. Shivan 2002 qui m'a recommandé de faire contrôle-clic gauche pour définir les trajectoires des. Contrôle-clic gauche. Bah, c'est ce que je fais. Non, c'est contrôle-clic droit, du coup. Ah oui, non. Non, c'est. Alors, je comprends pas. Ou alors. Non, bah non, parce que là, si je fais contrôle clic gauche, ça me fait déplacer la carte. Alors, j'ai pas bien compris ton conseil, Shivan. Parce qu'avec des shifts, on peut enchaîner, mais alors. Je comprends pas. Avec Alt, non. Non, contrôle clic gauche. Ouais, enfin, contrôle clic droit, ça fonctionne pas non plus. Non, je comprends pas. Écoute, je veux bien que tu me redises, Shivan, ce que tu voulais me dire, et si j'ai pas compris, si, etc., n'hésite pas à me préciser. Voilà, et je suis toujours preneur, hein. Merci beaucoup à ceux qui laissent des commentaires, des petits conseils, des petits j'aime bien, ça fait juste plaisir. Surtout, n'hésitez pas. Donc on va surveiller notre base, hein, Ah, une bagnole là. Need. Elle est pas trop loin. Hop. On va aller capturer ça. Enfin, capturer. Récupérer ça tout de suite. Tout en gardant un œil. Hop, météo, rien de particulier. Hop. Voilà. Ça c'est très très bien. Et puis avec une voiture, on va pouvoir aller en chercher une autre. Une voiture en état de fonctionnement. Je me souviens de Akatsuki que sur la démo qui disait que c'était un peu absurde qu'il y ait aussi peu de voitures dans le jeu, alors on pourrait se dire quand même que ce sont des voitures en état de fonctionnement. Effectivement, peut-être que dans un monde post-apocalyptique. Alors, elle est où? Elle est là. Hop, hop, hop. Toi, je sens que tu te diriges vers mon bâtiment. Vers mes bâtiments. Hop, t'as 4 bouquets en passage. Donc, tac. Ah, la voiture, ça change la vie. Hein. Est-ce que tu viens ou est-ce que tu viens pas? Non. T'as pas l'air de vouloir venir finalement. Hop. Donc les voitures suivent les routes, hein, en toute logique. On peut les forcer à faire à partir. Hors chemin avec la touche Alt, je crois. F1, F2, F3 pour gérer les vitesses. Hop. Il a peur de devoir me donner
quoi que ce soit. Ah, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais toi? Non, tu restes dans ton coin. Et 5h du mat, normalement c'est l'heure à partir de laquelle ça redevient à peu près tranquille. Alors, j'ai 12 chômeurs. C'est très mal. Le chômage, c'est le mal. Est-ce que j'ai récupéré du métal? Oui. Donc on va faire d'autres tours en métal. On va faire. Par principe, j'aime bien les mettre à distance les unes des autres. Mais il faut faire gaffe de ne pas faire trop de tours en métal parce que. Alors, on peut la faire pivoter. Tac. Voilà, là, ça me fait une tête de pont. Et pas une tête d'autre chose, hein. Je vous ai entendu venir. Hop, on va démanteler ça. Hop, vous me pétez tout ça, tous les petits trucs là. Un peu tout pourri. Allez, tac. Ça fait quoi? Hauteur 12 mètres, 80 mètres carrés. 112 mètres carrés. Les petits bâtiments un peu pas super fous. Ça sert pas à grand chose de les adapter. Allez, on clique. Hop là. Alors, il va ici. Ok. Oh, ce pathfinding de ma. Hop. Transmission entrante. Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within too. Ces trucs-là, j'ai jamais su si ça a vraiment un impact sur le jeu. Mais je trouve ça sympa, en fait, ça fait un peu ambiance. Alors, tac tac tac. Il fallait nettoyer cette horde avec la découpin. Timing parfait. Elle est balèze. Franchement, j'y croyais pas. Hop, nickel. Alors, je vais essayer d'aller chercher s'il n'y a pas une deuxième bagnole quelque part. Hop. La muraille, elle est pas idéale pour la circulation en bagnole. Ah, je pourrais imaginer péter des pans de mur. Hein. Ça peut se faire. Et ben voilà. Parfait, ça. Alors, sauf que comme je peux pas diviser mon escouade, hop, tu vas aller là. Et ensuite, tu vas aller chercher. Alors, ils ont des capacités un peu différentes. Hein. Là, par exemple, j'ai 20 de capacité, mais j'imagine que elle va moins vite hein, que cette voiture-là qui n'a que 10 de capacité, celle-ci en a 15. Ce qui est bien, c'est plus de capacité toujours. Donc hop, tu vas aller là, tac tac, tu vas faire un gros bâtiment là. Hop. Donc maintenant, tu vas aller chercher le van, s'il te plaît, merci.
Pourquoi est-ce que eux ils font rien là? Ils se foutent de ma gueule. Ils ont terminé leur bâtiment, ils peuvent pas voir qu'il y en a un autre à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé comme bâtiment? Ah, les. Donc. Ça va me faire de la production, très bien. Donc la production de céréales. Donc je vais pouvoir me faire une maison de la bouffe. Une maison de la cuisine. Ici, bah, 29. Ça fait beaucoup. Là, j'ai pas forcément besoin d'une grosse maison, je pense. Un petit effectif de 6, ça me semble pas mal. Voire presque un peu trop déjà. Donc, tac, tac, tac. Hop, je vais vous mettre là. Voilà. Alors, j'ai 4 guns. Alors, les tours, il faut faire gaffe. Ça fait partie des trucs qu'il faut un peu micromanager qui sont pas super. Parce qu'en fait, les gardes restent présents dans la journée. Or, dans la journée, bah, les risques sont quand même assez limités. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je micromanage, je mets zéro dans la journée, histoire que les gars, bah, ils continuent d'aller bosser. Et puis que bah, la nuit, il faut penser à les renvoyer. Véhicule pris en charge. Très bien. Toi, tu es en train de fouiller ici, du coup. Alors, dans les trucs sympas à faire. Mais je vais le faire plutôt avec l'autre bagnole qui va un peu plus vite. Quoique. Hop. T'as fini ici. Donc là, ici, je vais mettre les deux tours aux extrémités. Je vais leur laisser avec des, les laisser avec des pistolets. Hop. Oh, j'ai plus beaucoup de. Ah oui, merde. Ça, il va me falloir davantage de métal. Tac. Bon. Tu vas rentrer à la maison. C'est la nuit. Alors, même ce que je vais faire avant. J'avais quelques zones, voilà, où je les avais laissées. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, mes gars avaient laissé. Je vais faire le travail de récupération. Hop. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas trop ça. Elle est mal placée par rapport à la bagnole. Non mais qu'est-ce que tu fous là? Bon. Voilà, et donc là typiquement, bah, j'ai pas pensé à mettre. Hop. 4 gardes. Tac. Que là tout va bien. Ouais, il y a deux hordes ici. Voilà, la porte de sortie est très très mal placée. Bon, fouille-moi ailleurs. Hop. Vous avez porté assistance à vos petits copains là. Non, tu veux pas me faire un building clear. Tu vas rester là.
c'est bon, ça bastonne, mais toujours attaqué depuis l'intérieur d'un bâtiment, jamais depuis l'extérieur. Voilà, on peut aussi attaquer depuis les bagnoles. Oula. Roger that. Hop. Operator. Let's do it. We'll get them. Reporting. On my way. Ça c'est un tout petit peu cheaté, mais tellement efficace. Je vais plus vite que toi. Voilà. Tiens, tu peux me vider ça. Toi, tu vas rentrer à la maison. C'est ça, aller au QG, oui. Hop, au QG aussi. Je sais pas pourquoi là j'ai des traces rouges. Et ça va être des trucs que je peux pas fouiller sans doute. Ok. Donc ça c'est vidé. Toi tu vas aller dans ton van. Toi tu vas retourner dans ta voiture. Alors, on voit, il y a du carburant, donc à chaque fois qu'on remonte dans le véhicule, ça redémarre lentement. Il faut pas le faire si on fait démarrer notre bagnole trop vite. On va perdre l'opportunité de la remplir. Donc là, moi, je voulais aller fouiller les postes de police. Hop, avec cette voiture-là. Comme c'est un peu plus loin. Et puis là, je vais fouiller. Hop. Oh, il y a plein de bagnoles. C'est très bien. Allez au boulot. Dans mes fenêtres. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont jamais besoin de dormir. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Au turbin. Hop. Ah, il faut que je pense. Il faut penser régulièrement à faire des envois. Tu veux pas me centrer sur elle? Si, merci. Bon, hop, ici t'es full, plein de munitions, retour au QG et un flingue. Non, c'était là que je voulais que t'ailles. Hop. Hop. On repart et on va rechercher. J'en avais vu un autre. Ah, adaptation down là. Alors, tu m'as adapté. Donc là, on va avoir en permanence 6 personnes qui vont donc convertir les sacs de céréales en rations alimentaires. Donc ça prend, ça fonctionne par cycle. Hein. Deux cycles pour des céréales, plus... Enfin, pardon. Je vais y arriver. À chaque cycle, il va consommer deux céréales, plus un bois, et ça va m'apporter
4 portions. Et accessoirement, ça va donner un buff pour l'humeur générale. Voilà, d'où l'importance de bien s'en préoccuper. Tac, allez, on continue ici. Voilà, ensuite, quand on n'a plus de céréales, donc c'est pour ça qu'il faut un peu surveiller, parce que là, ça ne va pas arriver tout de suite, hein, il faut attendre que là, ça monte, en fait. Voilà, je vais avoir, dans 11 heures, j'aurai mes 4 céréales qui vont arriver. Et puis quand je recherchais l'engrais, et que j'en aurais produit, parce que j'imagine qu'il faut que j'en produise, eh bien, j'en aurais plus. Bon, ça commence déjà à être un peu plus propre ici. Ceci dit, c'est tranquille sur les hordes de zombies, franchement. Ils l'ont fait gentil, je trouve. C'était plus dur avant. Ah, encore un gun. J'aime bien ça. Hop, nickel. Allez. On va fouiller ici maintenant. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et hop, et donc là on pense. Ah, j'ai 10 chômeurs, donc toc. J'ai plus de. Voilà, j'ai pas de céréales, donc là c'est pas la peine que je mette du monde ici. Autant mettre des récupérateurs. Je pense que là il commence à avoir fini. Je vais ramasser le métal aussi. Démonter les lampadaires et autres, hein, histoire de. Ça permet aussi de se débarrasser d'obstacles potentiels pour la pose des murs. Et puis de toute façon, ouais, le métal, finalement, j'en ai besoin aussi. Alors, où es-tu? T'as pas fini. Là, par contre, t'as fini. Tac. 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 Tac, 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 tac. Ah, il y a 8 munitions, bon. No more to find. Operator, we found something suspicious. There's a large piece of dried meat here with a piece of rope around it. It's attached to a counterweight. This seems to be a trap to catch something. Maybe humans, maybe animals, or maybe even the infected. Somebody must have set it up not too long ago. Eh ben, on va l'inspecter. Make sure it's disarmed and try to find out more about it. Non, j'ai pas compris. Tac. Going there. Operator, we're on the move. Let's do it. Et si tu. Ah, j'ai pas tout ce que j'ai mis, d'accord. Non, t'as pas prévu de me vider cela, toi. Ah, mais c'est que j'ai plus de place. Mes 20 places sont occupées. Ok, et là aussi, j'ai tout. Ouais, c'est bon, j'ai tout pris. Donc pareil, on rentre au QG. Dites-moi, parce qu'en fait là j'arrête pas de mettre en pause, est-ce que vous préférez que je fasse, en gros que j'alterne entre F2 et F1, enfin vitesse 2, vitesse 1, non, raté, tac, hop, voilà, soit je peux jouer tout le temps en vitesse 1, soit alterner vitesse 1 et, enfin surtout la nuit, le jour je peux plus facilement jouer en vitesse 2. Mais là, c'est assez plan-plan, hein. Franchement, les infectés. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être dans Belle-Île-en-Mer qui fait que je suis peinard, mais.
Mais je suis quand même assez peinard. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, là en plus je suis en pleine lune. Ok. Hop. Tiens, des outils. Chez Brick Home. Hop. Donc du coup là je peux jouer. Sans trop de difficulté, ils doivent rester à la maison. Ah. Eh bien, acceptons-les. Je sais pas où ils sont. Ah oui, ils sont là, d'accord. Il n'y avait pas grand-chose dans ce poste de police. Peut-être que celui-ci sera plus généreux. Hop, accepté. Allez. Mais par là, les gens. J'aime avoir plus de monde. Hop. Tiens, ça, tu peux me démonter. 127 mètres carrés, 109. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder tout ce qui fait plus de 100 mètres carrés. Donc, toi, par exemple. Tac. Moi, je suis comme ça, je suis. C'est mon côté un peu bourgeois. J'aime pas vivre dans des maisons trop petites. ...166 celle-là. Et il y a des petits soucis, hein. Quand on regarde la surface du truc. C'est pas tout hyper cohérent. Allez, 100 mètres carrés, trop petit. 102, ça va. Hop, ça fouille, ça fouille. Auberge de jeunesse. Alors, qu'est-ce que je peux aller fouiller d'autre? Est-ce que tu me donnerais d'autres postes de police ou pas? Pas l'impression, si là. Ça va. Quelques outils. Il faut d'ailleurs que je me fasse une usine d'outils. Alors, on va la faire. Et là, il faut que ce soit une grande. Les usines d'outils, c'est juste très important. En tout cas, le peu que j'en ai vu. 212. Hop. Là, c'est peut-être un peu trop grand, 645. 1212 me plaît pas mal. Usine d'outils. Je mets combien? Je mets 9 personnes. Allez, ça me va. Hop. Du coup, constructeur, mais c'est bon, t'es dessus. Donc là, vous avez fini. Tiens, tu vas aller. Cher Renault. Ah zut. 6 emplacements. Oh, je t'ai demandé de le fouiller ça. Ah. C'est marrant que je l'ai pas vu avant. Ah. En général, quand on commence à prendre des dégâts, c'est on s'en reprend très vite beaucoup. Faut faire un peu gaffe avec ça. Hop, tiens, zut, mes gardes. Hop, allez. Allez, faire de la récup. Tiens, toi, je t'avais oublié. T'étais caché, hein, mais... Hop, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu m'as vidé? Parfait.
Alors, où est-ce que tu peux aller ensuite comme endroit intéressant? J'ai un autre magasin de bricolage là. C'est un peu la dèche en magasin spéciaux. C'est, ça faisait partie des risques, hein, en jouant dans une petite ville comme ça. Il est où mon magasin de bricolage? Il est où? Je l'ai perdu. Et il est là. Et il s'est caché. Et il est où? Hop. Pardon, je... J'ai pété un boulon. Bon, ça manque un peu d'action, je trouve. Pas ce que vous en pensez, mais... Moi, c'est mon opinion. Hop. Alors, Duck, on lâche ça, on remet les gardes. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la micro. Alors, qu'est-ce que tu me prévois comme il pleut? On est quoi? On est en octobre, c'est l'automne. Normal. Allez. Entre à la maison, toi. Toi aussi. Oh yes, un autre. Allez, on rentre à la maison aussi. Alors, faut faire gaffe, hein, parce que parfois, les gens qu'on croise sont pas toujours sympathiques. Ah. Donc là, ça va attaquer. Voilà pourquoi c'est pratique de d'avoir voilà, on a des. Il suffisait que je dise que c'était un peu calme. Ah merde, j'ai pas la vue là. Ah non, c'est qu'ils sont trop loin. Bon, ça, c'était pas violent non plus, mais. Ok. Belle défense. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange. Tac. Non. Je vais faire un échange. Est-ce que je peux faire un échange d'une escouade à l'autre? Non. Non. Allez, je vais vous faire rentrer au QG. Tac. Alors, donne s'il te plaît. Tac, tiens, si je fais ça. Ah ouais, ça fonctionne. Hop, du coup, tac. Avec ça, je voudrais que tu me donnes s'il te plaît, merci. Et du coup, tu rends ça. Et du coup, l'autre. Tac, tac. J'ai 6, 5 pistolets du coup. Hop, pareil, je peux. Voilà. Là, j'aimerais également. Alors le. Il se rééquipe en balles tout seul quand on. Comment? Quand on rentre dans un bâtiment comme ça. Donc on peut faire tu sors, tu rentres pour rééquiper. Pareil, il suffirait d'un petit bouton pour pouvoir facilement rééquiper. C'est un peu dommage que ce soit pas prévu. Mais bon. Oula! Hop. Faites-moi de la recherche sur les flingues. Hop. En vrai, ça va. Du coup, vous allez vider ça. Tac, tac, tac. Tac. Institut Sainte-Anne. Ah, des fois, la barre espace enlève pas la pause. J'ai jamais bien compris pourquoi. T'as un camion, couillon. Il dit couillon. Hop là, tac. Ouais, ça va, c'est pas trop agressif. Hein.
Alors, tac. Ah, il y a quelqu'un, nous cherchons de l'aide. Nous sommes fatigués de cette errance sans fin. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous pompons beaucoup. How many of you are there? 7. Wow. How have you managed to survive so far? Allez. Please come to us. We'll take you in. Where are you? Port Fouquet. Vous allez venir. You have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Alors, on peut éventuellement les accompagner, hein, mais c'est pas. Qu'est-ce que tu fous si loin de ton véhicule, toi? Hop. À toi, du coup, tu te touches la nouille. Hop là. Hop. Allez, tu vas me vider ça. C'est un peu une connerie ça. Sir, we found something interesting near the lair that we just cleared. A CCTV camera. Still operational. Solar powered. Could someone still be watching this place? Allez, on va être gentils. Say hello and wave. We can make new friends. Let's do it. Soyons naïfs. Naïf, idéaliste, appelez ça comme vous voulez. Alors, toi t'as fini de vider ici, tac, tac. Hop, la mairie de Belle-Île-en-Mer. Alors, j'ai adapté, donc voilà, donc là j'ai... Maintenant, tiens, je pourrais me faire des... J'ai 12... 12 trucs de céréales que je pourrais transformer. Donc je vais diminuer mon nombre de... Tac, 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 tac. Voilà. Alors j'ai plus personne... ceci dit, je vais me faire d'autres tours. Aussi. Hop. Tac. Hop. On a dit qu'on allait par là. Et de l'autre côté. Hop. Qu'on a dit qu'on visait après ce bâtiment-là. Tac. Tac. C'est en soi beaucoup trop. Je jamais fait autant de... est-ce que je vais en avoir assez? 39? Pas du tout. C'est 15 par tour. Donc je vais m'envoyer 10 gars. Tac. 5 ici. 5 là. Et c'est parti. Mais on va arrêter cet épisode ici. Les choses se passent plutôt bien sur Belle-Île-en-Mer. On commence à voir un terrain bien dégagé, à peu près dégagé. Et jusque-là, les zombies nous ont laissé relativement tranquilles. Un peu trop presque à mon goût, j'aurais tendance à dire. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra bien ce qui se passera plus tard. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à lâcher des pouces, on aime bien ça. Et je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!